Boy Faye, directrice générale de l'autorité de radioprotection, de sûreté et de sécurité nucléaire. Alors, les matières nucléaires radioactives sont des matières qui sont utilisées dans plusieurs secteurs d'activité dans notre pays, partant de la médecine, de l'agriculture, de l'industrie, et la recherche, l'enseignement et beaucoup d'autres secteurs. Vous savez que, par exemple, pour produire du pétrole, pour chercher d'abord le pétrole, on utilise des sources radioactives. Pour la santé, nous sommes dans le mois d'octobre rose. Quand on détecte donc, le cancer et qu'on veut le traiter par la radiothérapie, on utilise des sources radioactives, qui sont des sources radioactives généralement de catégorie 1, donc les plus dangereuses, extrêmement dangereuses. Et dans le domaine de l'industrie, vous avez les sources généralement de catégorie 2, qui sont aussi très très dangereuses, qui peuvent tuer une personne en l'espace de quelques heures, si vous êtes en contact avec, et qui sont utilisées dans ce qu'on appelle le contrôle non destructif. Donc, c'est des matières qui sont largement utilisées au Sénégal. D'accord. National, donc destinées aux structures nationales, aux utilisateurs de ces sources-là dans notre pays, pour pouvoir donc les sensibiliser sur l'importance de mettre en place des mesures préventives et de protection contre ce qu'on appelle les menaces internes. Vous savez qu'en matière de sécurité, vous pouvez être menacé de l'extérieur, mais vous pouvez aussi être menacé de l'intérieur. Et pourquoi la menace interne est-elle importante? C'est parce que vous avez au sein de vos organisations parfois des personnes qui peuvent être des menaces pour vous parce qu'elles ont des motivations de plusieurs ordres. Et le plus dangereux, c'est que ce sont des personnes qui connaissent votre système, qui connaissent votre système de protection, qui connaissent vos vulnérabilités. Et c'est ça qui fait que ces menaces-là sont beaucoup plus difficiles à contrer que les menaces externes. Et donc, nous avons organisé ce cours pour informer les structures qui utilisent ces sources-là, parce qu'elles deviennent de plus en plus nombreuses au niveau du Sénégal. Vous savez que quand on a commencé à entrer dans l'exploitation du pétrole et du gaz, il y a beaucoup de structures qu'on appelle des structures qui exercent dans le contrôle non destructif, c'est-à-dire qui font de la radiographie industrielle. La même façon qu'on fait la radiographie des personnes, on fait la radiographie des métaux. La radiographie, donc, par exemple, quand vous avez un pipeline qui doit donc transporter du pétrole ou du gaz, pour pouvoir donc mesurer les défectuosités qui sont dans un pipeline, on utilise une source radioactive de catégorie 2 qui va aller donc faire la radiographie et voir où se trouve la défectuosité. Vous voyez? Et donc, ces structures-là s'installent au niveau du Sénégal et nous avons donc l'ARSN, l'obligation, donc la mission de contrôler l'utilisation de ces sources. Et donc, ces sources, pourquoi elles sont dangereuses? On les déplace. Elles se déplacent d'un chantier à l'autre. Et aussi, quand elles sont dans une organisation, il faut que les personnes qui les utilisent soient des personnes à qui on a confiance. Parce que quand on a accès à ces sources-là et qu'on a de mauvaises intentions, on peut aller les mettre dans un dispositif qu'on appelle un dispositif explosif et faire ce qu'on appelle une bombe sale. Et c'est ça qui fait que donc, dans le contexte sécuritaire que nous avons dans le Sahel, par exemple, il n'est pas exclu que des personnes puissent prendre ces sources-là, donc traverser nos frontières et commettre un acte malveillant. C'est ça qui fait que donc, c'est important qu'on puisse sensibiliser les personnes qui utilisent ces sources.